Comment vous expliquez cette force de marquer des buts si importants dans des moments où on vous dit en difficulté, physiquement ou autrement? On ne parle pas que de physique. Je pense que vous savez de quoi on parle. On peut toujours parler de moi. De toute façon, on parlera toujours de moi, que je suis en difficulté, que je n'ai pas ma place, que ceci, que cela. Ça fait ma 8e année à Madrid. C'est toujours pareil, je joue dans un grand club. Il y a des grands joueurs aussi. Donc voilà, à moi d'être performant sur le terrain et quand je suis absent dû à une blessure, à moi de revenir, retrouver mes sensations, ce que je fais petit à petit. Mais la saison est encore très longue. Merci beaucoup. Karim, il y a plein de choses dans ce match. Il y a un match nul qui peut peut-être ressembler à une défaite, mais à titre personnel, et c'est de ça dont j'ai envie de parler, vous fêtez votre 50e but en Ligue des Champions. Chapeau bas, monsieur, vous égalez Thierry Henry. Merci, c'est gentil. C'est une fierté. Après, si on parle du match, non, on ne va pas dire que c'est une défaite parce que c'est sûr qu'on voulait terminer premier. Mais après, quand on regarde l'ensemble du match, voilà, il y a eu 2-2. Je pense qu'on a dominé. Et après, ils ont eu leur quart d'heure en fin de match où je pense qu'ils ont pris un peu le dessus parce qu'on a fait pas mal d'efforts. Donc voilà, après, il ne faut pas dire que c'est une défaite. On est qualifié et pour aller au bout, de toute façon, tu es obligé de jouer contre tout le monde. Et finalement, quand on regarde un petit peu ceux qui se sont qualifiés premiers, c'est plutôt pas mal d'être deuxième en fait. Là, perso, j'ai pas encore regardé les équipes, mais bon. Ça peut être la Juve, vous pouvez évidemment pas jouer contre l'Atlético, vous allez pas jouer contre le Bayern qui est deuxième, pas jouer contre le PSG. Bah, de toute façon, comme je l'ai dit, pour aller au bout, tu es obligé de jouer contre les grosses équipes. Donc si c'est pas maintenant et c'est après, de toute façon, ça change pas grand chose. Nous, on a une ligne de mire, c'est toujours gagner les matchs et d'aller au bout. La ligne de mire, c'est le titre, la Ligue des Champions. Pour l'instant, on peut penser à tout. Donc voilà, on est bien en Liga, en Coupe du Roi aussi, et en Champions League. Il faut gagner. Et là, on peut aller chercher aussi le Mondial des clubs. Donc voilà, il y a des titres à prendre. La vie est belle. Super belle. Merci Karim, félicitations. Zema, forcément très heureux. Karim, elle vous va bien, décidément, cette formation du Bayern Munich? Faut y croire, mais comme j'ai dit, c'était un bon match, donc avec deux grandes équipes d'Europe. Donc voilà, et on a su maîtriser, je pense, après le carton rouge. On a eu des moments faibles, des moments forts, et comme je dis, c'est toujours difficile de jouer contre une équipe comme ça parce qu'ils sont bien organisés. Et je dirais, c'est un match cette saison où il y a eu du jeu, parce que d'habitude on tombe contre des équipes qui ne jouent pas forcément et qui nous attendent. Et là, c'était deux équipes un peu pareilles qui aiment la balle et c'est ce qu'on a. On a fait un très bon match tous ensemble ce soir. Après, le seul regret qu'on a eu, c'est qu'on aurait pu en mettre plus parce que c'est important les buts à l'extérieur. Mais maintenant, tout est ouvert encore. Vous avez continué la suite de votre belle aventure avec un Manuel Neuer qui a vraiment laissé en survie cette équipe du Bayern. C'est vrai que bon, on savait que c'est un grand gardien, mais ce soir encore, il l'a démontré. Je sais pas, il a dû faire une dizaine d'arrêts décisifs pour son équipe. Donc voilà, à nous, le match prochain d'essayer de marquer ce but-là.